Hé, hey, vous avez l'air coincé. Oui, je le suis. Bonsoir. Bonsoir, je suis Félix. Cynthia. Alors, comment vas-tu, Cynthia? Très bien. Où allais-tu? Abuja. Mais arrivant ici, notre bus a eu une panne. Les autres passagers ont trouvé leur chemin. Je suppose que c'est moi qui suis malchanceuse. Toutes les voitures que j'ai stoppées sont pleines. Désolé pour ça. Si c'est pour aller à Abuja, je ne pense pas que vous trouverez une voiture partant à Abuja d'ici. Spécialement à cette heure de la nuit. Donc, si je peux vous proposer, il y a un hôtel pas très loin d'ici. Vous pourrez repartir à la première heure du matin. Oui, j'y ai pensé, mais le problème est que j'ai pas suffisamment d'argent sur moi. Ce n'est pas grave, vous pouvez passer chez moi. Venez, D'accord. je vais vous aider. Merci, Venez. merci beaucoup. Allons-y, Merci beaucoup. allons-y. Que Dieu vous bénisse. Oh, sois la bienvenue. C'est parti, c'est Ok. parti. Bienvenue dans mon humble demeure. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. C'est bon, Merci. c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu? Ah, ce n'est pas grave. Si j'avais de l'argent, je vous aurais logé à l'hôtel. Ah, oh, ce n'est pas tout le monde qui viendra avec un étranger chez lui. Eh bien, je ne suis donc pas tout le monde. Appelez-moi un ange, ok? Merci. Laissez-moi donc vous montrer votre chambre. Ok. D'accord, suivez-moi. J'espère que vous appréciez le plat. Oui, bien sûr. Et je suis impressionnée. Je n'ai rencontré que peu d'hommes qui savent cuisiner. Et tu sais quoi? Mon père s'avérait être l'un d'entre eux. Alors, si vous me flattez, merci. Disons juste que ma mère m'a bien formé. Oh, elle doit être vraiment fière. Bien sûr. C'est rien. Merci une fois de Et une plus. fois de plus, soyez la bienvenue. J'ai constaté que vous n'avez pas touché à votre verre. Si vous n'aimez pas, je peux le changer pour vous. Oh, c'est bon. Je ne vois pas vraiment en mangeant. Mais Vous êtes je vais sûr? essayer ça. Ok. C'est vraiment bon. Je savais que vous aimeriez. Donc, j'imagine que vous êtes fatigué. Donc, parlez-moi de vous. Je veux connaître. Je me sens. Hey! Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le sexe. Allez, jeune fille, ce n'est pas grave, ok? Va juste à l'intérieur et nettoie-toi. Comment oses-tu me parler de la sorte? Tu m'as droguée et me violée et tu dis que ce n'est rien de grave? Quel genre de personne es-tu? Hey. Tu es folle? Non, non, quelque chose ne va pas avec toi. Pourquoi sembles-tu grossière et ingrate? C'est le remerciement que je reçois pour t'avoir sauvée? Ou as-tu une idée de ce qui aurait pu t'arriver si je n'étais pas venue à ton secours hier soir? Alors sois reconnaissante, salope, je t'ai sauvée. Maintenant, madame,
neuf. J'ai chaud, tu sais. Félix. Oh mon Dieu. Avant le mariage, je ne devrais même pas être sur le même lit que toi. Je ne devrais même pas être dans la même maison avec toi tout seul. Ce n'est pas correct, mais je suis là maintenant. Bébé, dans quelques semaines, je serai toute à toi. N'importe quand, n'importe où et n'importe comment tu le voudras. Je crois que j'aime bien ça. Tu attendras donc. D'accord. D'accord. Je sais. Je sais ce que tu essaies de découvrir. Oui, je suis toujours vierge. Je le sais. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire, Sharon. Tu veux dire la vérité ou pas? De quelle vérité parles-tu? Sharon. Dis la vérité. Sur quoi? Tu crois que je vais agir pour aller m'envoyer en l'air? Je n'ai pas dit ça. Tu ne me crois pas. Je te fais Sharon, Sharon. Vas-tu? Ce n'est pas ce que tu dis. Dis la vérité. Sharon, s'il te plaît. Dis la vérité. Non, je n'aime aucun de ces modèles. Aucun. Ok, ça veut dire que je dois vous envoyer plus de photos. Comme ça, vous aurez le temps de choisir ce que vous voulez. S'il vous plaît, je dois avoir toutes les photos pour faire un choix. Ou alors autre chose. Quelque chose de simple, mais adorable. Simple? Non, rien. Je ne veux rien qui soit simple. Vous savez quoi? Est-il possible que nous ayons une rencontre physique parce que l'affaire des photos, ça ne marche pas? Ça ne marche pas du tout. Ok. Ce sera bon si cela vous arrange. Oh, ok. Magnifique. J'ai bien peur de devoir vous rappeler plus tard. J'ai un autre appel entrant. Okay. D'accord, merci. Bye. Allô, papa? Ouais, et Sosa? J'ai essayé de te joindre. Je suis désolée, papa. J'ai ton téléphone avant que le tien arrive. Oui, je sais. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, papa? Je vais bien. On va toujours te voir aujourd'hui. Non. Papa, mais... Sans doute ce week-end.
Week-end? Et sauter, j'ai entendu dire week-end? Et Sosa, moi et moi, nous ne t'avons pas vu pendant toute une année. Toute une année. Et maintenant, t'es de retour? Papa, tu me dis que... sais, je te comprends. Mais c'est juste que non, j'ai non, beaucoup... Non, dis pas ça, Sosa, je crois pas que tu comprennes. Je ne crois pas que tu comprennes. Maintenant, tu vas m'écouter. Ce qui est important pour moi, c'est que tu termines ce cours de conseil matrimonial. Avant le mariage. Suis-je clair à ce sujet? Tu dois terminer ce cours de conseil matrimonial. Sommes-nous clairs à ce sujet? C'est noté, monsieur. S'il te plaît, parle à maman. Elle ne devrait pas être en colère contre moi. Je vous verrai tous les deux ce week-end. Je t'aime, papa. Hey. Salut, bébé. Bonjour. Espèce de paresseux. Merci. T'es endormi. Merci. Pas de quoi. Je sais, en fait. Je suis vraiment fatigué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien de sérieux. J'ai ton téléphone avec l'organisateur du mariage. Jusqu'à ce que papa m'interrompe et je devais décrocher. Et laisse-moi deviner. Il n'est pas du tout content que je sois venu directement chez moi. Sans doute. Ce n'est pas la seule chose dont il a parlé. Ou à l'autre. Bébé, nous devons aller terminer les cours de conseil matrimonial. Maintenant que je suis de retour, nous devons le faire le plus rapidement possible. J'envisage même ce week-end. Fond, Pedro. Franchement, tu peux encore le dire. Je veux dire, voilà la différence entre toi et moi. Même Dieu Tout-Puissant qui est au ciel sait que moi, Pedro, je ne suis pas prêt pour le mariage. Je suis sincère. Si je me marie maintenant, qui prendra soin de toutes ces belles femmes qui adorent? Tu n'es pas sérieux là. Mais à moi, franchement, tu es libre. Ah, ça, tu l'as dit. Ah, tu me fais trop rire. Voilà. Avant que je n'oublie, te rappelles-tu de Angela? Bah oui, Angela, cette fille au club l'autre soir. C'est mes grand-filles. Mec, cette fille n'a pas arrêté de me nuire. Me suppliant de lui donner ton numéro. Devrais-je lui donner? Attends, suis-je censé répondre à cette question?
Qu'est-ce qui ne va pas avec ces salopes, hein? Vous leur en donnez un et ils en redemandent? Regarde, mec, je ne me tape pas une salope deux fois et tu le sais. Ah, je te comprends, frérot. Ah. Alors, quoi de neuf? Où allons-nous ce soir? Mec, je suis occupé, je suis coincé, je suis fiancé. Occupé? Mais occupé à faire quoi? Mec, les cours de conseil matrimonial. Frérot, tu es condamné à vie. Moi, Félix. Mais on va aller s'amuser ce soir. Mais, c'est moi qui devrais te demander cela. Notre pote est en ville. Mais oui, bien sûr, il est là. Et pour une dame? Non, mais t'es pas sérieux, là. T'es malade. Ça, c'est mon pote. Mon négro, laisse-moi t'apporter ta boisson. Ok, tout ça. Tu continues à travailler tard le soir. Bébé, je n'arrive pas à croire que tu sois encore réveillée. Tu m'avais dit que tu arrêtais. Hey. Es-tu ivre? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'arrive pas à le croire. Félix, tu es ivre? J'ai juste pris quelques petites bouteilles. Et ce n'est pas comme si je me sens. C'est juste que ta façon de parler, c'est comme si... Ivre, quelle ça ne fait pas partie de moi. Je ne veux plus avoir cette conversation avec toi. Ah, ok, d'accord. Nous pourrions continuer le matin. Tu ne peux pas dormir sur ce lit, s'il te plaît. Regarde, lève-toi, couche-toi sur le canapé ou n'importe où, je m'en fous. Je ne peux pas partager ce lit avec toi. Tu peux. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Bonne nuit. J'ai compris. Va-t'en, vas-y. Assis sur une vieille moto, au bord d'une plage, puis elle s'est envolée. Ok, d'accord. Il est chiffon. Ne sois pas en colère, écoute-moi juste. Okay. Regarde, j'ai dit que j'étais. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas te blesser. Sharon, allez, écoute-moi. J'ai juste, d'accord, j'ai juste pris quelques verres, et c'est tout. Ce n'est pas comme si j'avais prévu de boire, c'était la fête de ma mère. Et j'ai juste pris quelques verres, et c'est tout. Regarde. Regarde, bébé. Je sais que tu es en colère, ok, mais... Comme je l'ai dit avant, c'était la fête d'anniversaire de Nami. Et tu sais, il aurait été impoli de refuser... un verre que m'offrait mon ami. Impoli? Tu as dit impoli? Mon cœur, ce que je dis, c'est que, ok, je suis désolé. D'accord, je suis vraiment désolé, ça n'arrivera plus. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. D'accord, ça va aller. Je dois aller chez l'organisateur du mariage pour choisir certaines tenues. Ok. Et puis, j'irai au marché pour acheter deux ou trois trucs. Je te verrai quand je serai de retour. Donc, tu vas cuisiner? Quand je serai de retour, tu sauras. D'accord. Avant que je n'oublie, nous devons faire un autre test. Oui, nous devons le présenter au conseil conjugal. Nous en aurons aussi besoin pour conclure nos cours de conseil matrimonial. Donc, nous aurons besoin de ça à temps. Bébé, regarde. Qu'en est-il du précédent que nous leur avons donné? Que lui est-il arrivé? Le précédent a déjà expiré. Ils en ont besoin de nouveau. Ça fait un an maintenant. Ils en ont besoin de nouveau pour mettre dans, tu sais, mettre dans le dossier. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout. C'est juste que je n'aime pas avoir les aiguilles dans le corps. Ça fait très mal, tu sais. Espèce de peureux. Arrête de me traiter comme ça. Mais c'est comme ça que tu te comportes. S'il te plaît, arrête, ok, regarde. Oh, arrête. Tu ne mérites pas ça. Vraiment.
qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air tellement inquiet au téléphone. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain avant de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu. Félix! Comment cela est-il arrivé? Mon Dieu. Mais c'est incroyable ça. Mais comment tu peux laisser cela arriver? Sûr qu'il n'y a pas confusion quelque part. Parce que cela arrive la plupart du temps. Félix, tu devrais faire un autre test afin d'être plus certain. Pedro, tu ne comprends pas. Je leur ai fait faire le test pour la deuxième fois. Et le résultat est le même. Putain, c'est positif, mec. Je sais qu'on positif. Je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu te calmes, mon frère. Calme-toi. Ok. Tu veux? Je suis tellement confus moi-même. Je ne sais pas quoi dire. Mon mariage avec Charlotte, c'est dans presque 3 semaines. Comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Comment est-ce que je vais t'expliquer ça à Sharon? Elle est également séropositive. Oui, je veux dire. Elle ne l'est pas. Ok. On va me croire, mais je n'ai pas couché avec elle. Quoi? Mais tu m'as dit que t'as touché. Je sais. Je sais exactement ce que je t'ai dit. Mais elle ne veut pas que je la touche avant que nous nous soyons mariés. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute frère, je te conseillerai en tant qu'ami. Il est impératif que tu dises tout à Sharon. Elle doit en être au courant. Excuse-moi, de quoi est-ce que tu parles? Maître Sharon au courant de quoi? Écoute, je sais, ce qui est arrivé, d'accord? Mais t'as plus le choix là. Je veux dire, en y réfléchissant, c'est très bien, toi et moi, quel genre de vie nous vivons ici dehors avec toutes ces dames. Il suffit de faire! Es-tu en train de me dire en face que c'est mon mode de vie qui a provoqué ça? C'est ce que tu es en train de me dire? Non, Félix, ok? Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Quoi? Sors de ma voiture. Dehors. Va-t'en. Que tu fasses quoi? Dégage de ma voiture. Maintenant. Quoi que l'on soit avec l'on porte ensemble, ok? Va te faire foutre, Pedro! Va te faire foutre! Peu importe! Va te faire foutre, Pedro! Va te pendre, mon frère! Je suis ruiné. Est-ce que tu... Maris... Maris, tu dois m'écouter, ok? C'est mon mariage et non le tien. Je veux du marron cafard et non du marron café. Et tu dois faire la différence. Ok, qu'en est-il du gâteau? C'est vert citron. Je ne sais pas ce que tu as pris, mais c'est ce que moi je veux. Et je dois t'envoyer les couleurs que moi je veux. Je te rappellerai plus tard, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça maintenant. Salut bébé. Comment vas-tu? Oh mon Dieu, je vais bien et toi? Sois le bienvenu. Je vais bien. Tu as l'air excité. Oui, bébé, je suis excitée et frustrée également. Maris essaye de me frustrer, c'est mon mariage. Et si, je n'ai aucune envie de parler d'elle maintenant. Je vais juste te raconter comment ma journée s'est passée. Et bébé, devine quoi? J'ai fait un choix, j'ai vu une tenue que j'aimais. Vraiment? Oh oui, mais ce n'était pas ma taille.
Donc, la vendeuse a dit qu'elle allait la renvoyer, faire une commande et la ramener. Mais je dois faire un versement et c'est ce que j'ai fait. Bébé, je ne comprends pas. Je pense que les prix des vendeurs du marché entier sont montés en flèche. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Sharon veut se marier. Maintenant, tout le monde augmente son prix. Bébé, je suis tellement frustrée. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as dit que c'était notre mariage. Tu étais censée être ici avec moi, mais tu ne l'es pas et je dois traverser toutes ces frustrations toute seule. Quoi? Ah, bébé, je ne comprends pas. Tu dois m'expliquer pourquoi je dois être la seule personne qui a fait des allers-retours pour ce mariage. N'es-tu pas censé être avec moi, me calmer, me parler dans de pareilles situations? Ma vie est terminée. Comment vais-je mettre fin à cette honte? Comment lui dire que je suis séropositif? Peut-être que je devrais lui mentir. Où est-ce que je vais cacher ça? Dieu, aide-moi. Aide-moi, je l'aime tellement. Énormément, mon Dieu. S'il te plaît, encore sa vie. Salut. Salut bébé. Bonjour. Quelqu'un est beau. Merci. D'accord, assieds-toi. Le petit déjeuner sera prêt dans 5 secondes. Non. Je n'ai pas faim. Je te verrai quand je rentrerai du travail. Jamais de la vie. Tu sais très bien que tu ne laisseras pas cette maison sans prendre le petit déjeuner avec moi. Sharon, je n'ai pas faim, ok? Je t'aime. Je te verrai à mon Félix. Retour. Félix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis très bizarrement. Tu ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Mais je sais qu'il y a un truc. Et tu peux me parler. Quoi que ce soit, tu peux toujours me parler. Je suis là pour toi. Bébé. J'ai découvert que... Je reviens aujourd'hui, s'il te plaît, dis-la, papa. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Bébé, nous souffrons ce soir. À plus tard, à ce soir. Maman, je... Oui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oh, c'est gros. Oui, tu es là. Tu veux prendre un verre? Ne te dérange pas, c'est pas la peine. Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce comportement? Vraiment? Quel est ce comportement? Écoute, Félix, tu n'as vraiment rien d'important à me dire, je vais vaquer à mes occupations. D'accord. Bien. Même si je déteste sincèrement l'admettre, je suis désolé. Pour? Maintenant, tu vas loin. Je viens de dire que j'étais désolé. Pedro, tu es comme un frère pour moi. Ok, d'accord, je suis désolé. Je suis tellement désolé de la façon dont je t'ai parlé. Et je t'ai mis hors de ma voiture l'autre jour. Je suis désolé. J'étais en colère. Et je ne peux pas nier le fait que ce que tu as dit par rapport à notre mode de vie est la vérité. Mais ce n'est pas ce que je voulais entendre à cet instant. D'accord, alors je suis désolé. Dis-moi, et tu crois que moi-même je n'ai pas peur, Félix? Hein?
Écoute, depuis que tu m'as mis hors de ta voiture, me faire à l'idée que tu sois que tu sois séropositif me tue. Et ton point est? Écoute, tout ce que j'ai dit sur notre vie est un fait et c'est vrai. Et nous devons en faire face, que nous le voulions ou pas. Je reste toujours sur le fait que tu dises la vérité à Sharon. Et c'est quoi la vérité, Pedro? C'est quoi la vérité? Regarde, Pedro, tu me connais très bien. Il n'y a pas moyen que je reste avec une femme et que je ne veuille pas coucher avec elle. Le fait que j'ai décidé d'attendre jusqu'après mon mariage avec Sharon, c'est parce que je l'aime. Je l'aime tellement. Elle est ma vie, elle est mon tout. Présentement, c'est comme si ma vie s'écroulait. Félix, ta vie s'écroulera si tu ne me dis pas toute la vérité. Et as-tu seulement pensé à tout ce qui se passera si elle découvre d'elle-même? Pourquoi fais-tu ça? Non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Je t'ai appelé ici pour réduire le stress. Mais tu ne rends pas la tâche facile. Pas du tout. Hein? Écoute, je ne veux pas te décevoir, ok? T'es comme un frère pour moi. Je ne veux pas te tromper. J'ai compris. Plus tôt nous terminerons avec cette affaire, mieux ce sera. J'ai compris. Tu veux maintenant un verre? D'accord, tu peux m'offrir un verre. Je croyais que tu allais dire non. Ouais, c'est ça. Barman? Maman, ce n'est pas comme ça. Comment c'est? Et sur ça, je te le demande. Comment c'est? Oh, t'es devenu mieux tout à coup. Eh bien, si tu ne le sais pas, je vais te le rappeler. C'est un acte d'irrespect. Et Sosa, cela montre que tu n'as pas la moindre considération pour tes parents. Parce que si tu l'avais, tu ne nous manquerais pas de respect comme tu l'as fait. Je ne le ferais pas. Papa, je suis désolée. Je ne voulais pas te manquer de respect à toi ou à maman. C'est juste que j'ai encore beaucoup de choses à faire avant le mariage et... Et c'est reparti. Et Sosa, mariage. Depuis que tu as commencé à parler de ce mariage, tu as perdu la raison. Tu ne fais jamais rien de bon. D'abord, tu es venu avec un non-croyant, un homme qui ne connaît pas Dieu, comme un homme que tu veux épouser. Tu m'as parlé de lui et j'ai passé l'éponge. Je t'ai laissé faire. Et comme si cela ne suffisait pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as aménagé pour rester dans la même maison que lui. Un homme à qui tu n'es pas marié, et sans ça. Un homme à qui tu n'es pas légalement marié, tu as aménagé pour rester avec lui. Ça, c'est de la folie. Et de la stupidité. Papa. Vas-tu la fermer? Ferme-la, ne m'étonne jamais lorsque tu parles. Plus jamais. Ne laissez jamais. Nous avons élevé dans les voies de Dieu. Et j'ai peur. Je suis déçu. Très déçu. Et toi? Je connais ma Bible, je ne connais pas la tienne. La Bible dit que vous devez élever votre fille aux enfants dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu, de sorte que lorsqu'ils grandissent, bien, voilà ce que la Bible dit. Nous t'avons élevé de cette façon. Oui, nous l'avons fait. Et tu es une vraie honte. Une honte totale pour moi en tant qu'homme de Dieu. Une honte totale pour moi en tant que père. Oui, tu l'es. Papa, j'en ai marre que tu continues à me parler de cette façon. Et sans ça, ne me pointe pas du doigt. Je le ferai si c'est la seule chose qui me reste à faire. Ne me pointe pas du doigt. J'en ai assez que tu me parles tout le temps de cette façon. Oh, je suis une déception. Cool. Je suis une énorme honte. Très bien. À qui la faute maintenant? Et sans ça, ne crie pas sur ton plan. Maman, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Je t'ai amené le premier homme.
Dieu l'a condamné parce qu'il travaillait dans un hôtel. N'était-il pas un croyant? Oui, il était. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, tu m'as dit que ton esprit n'est pas en accord avec les siens. Pourtant, tous ces hommes étaient des croyants. Ils étaient tous. Papa, toi, papa, toi, tu as toujours eu une raison, oui, non, pour t'assurer que je ne me marie avec aucun d'entre eux. Maintenant, Félix, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa, je sais qu'il y a un plan. Et il semble que ton plan soit que je finisse par être célibataire. Maman, ne m'interroge pas, s'il te plaît. Depuis le jour où j'ai planifié mon mariage, l'avez-vous apporté de bon, tous les deux? Rien du tout. J'ai des parents. J'ai des parents. Mais pourtant, je me sens seule. Je t'ai papa, je t'ai maman, mais pourtant, je me sens seule. C'est le rêve de toute jeune fille que ses parents l'accompagnent dans ses préparatifs de mariage. Mais qu'est-ce que j'obtiens des miens? Qu'est-ce que j'obtiens des miens? Les seules fois où papa m'appelle ou s'implique dans ma vie, ou alors pour me parler, c'est seulement quand il veut me parler du péché. Seulement quand il a besoin de me prêcher à propos du péché. C'est le seul moment où mon père a besoin de me parler. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aménager avec Félix. Oui, je sais que c'est mal. Mais Dieu connaît mon cœur. Et il sait, papa, que c'est mieux de vivre dans cette maison avec Félix que de vivre ici avec des personnes qui ont de l'orgueil. Qui ne se soucie que d'eux-mêmes. Papa, tu m'as appris que le message de Christ est amour. Amour et non la condamnation. L'amour, non la condamnation. Passe une bonne journée, monsieur. Sharon! Sharon! Salut bébé, tu vas bien? Ta chérie à la maison? Bébé, réveille-toi, nous avons bien vu. Félix, réveille-toi. Je te présente mon amie d'enfance. Elle s'appelle Stella. Stella, je te présente mon futur mari. Il s'appelle Félix.
Tu vas bien? Pourquoi tu as l'air d'avoir vu un fantôme? Désolé, je me suis laissé emporter. Ravi de vous rencontrer. Stella. Tu as dit Stella? Oui. Je veux dire, c'est dont tu as toujours parlé. Oui. Ton ami d'enfance. Mon Dieu, elle est ravissante. Tu peux le redire. Monsieur Félix, ravi de vous rencontrer. Et merci pour le compliment. Elle sera ma demoiselle d'honneur en chef. Mon Dieu. Je veux dire, elle est vraiment très belle. Bébé, je dois aller au bureau maintenant. Bureau? À cette heure? L'heure du travail est passée. Bébé, tu ne peux pas comprendre. Regarde. En fait, j'ai un pneu crevé. Le gros pneu. Oh. Ouais, je dois prendre un truc au bureau pour l'arranger. Le bureau fournit du carburant. Et aussi, ils ont... Pas que... Je t'aime, mon amour. Une fois de plus, Cynthia, désolé, je veux dire... Lina, sois la bienvenue. Mais mets-toi à l'aise. Ok? Bye. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Que veux-tu? J'ai du lait, de l'eau, du corda, quoi que ce soit que tu veux t'accrocher. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi te comportais-tu de façon si bizarre devant mon ami? Et c'est quoi cette histoire de mettre du carburant dans ton pneu? Regarde, Sharon, c'est rien du tout, ok? C'est rien. Oui, je sais, c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est rien. Mais je te connais. Je te connais si bien que je sais quand quelque chose te dérange. Donc, n'essaye pas de me dire ça. Bébé, c'est quoi le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Regarde, Sharon. Tu n'as rien fait de mal, ok? Disons juste que j'ai flippé, d'accord? J'ai flippé. En ce moment, ça me tombait dessus que je vais en fait me marier. Et j'ai flippé, ça arrive tout le temps aux gens, d'accord? Je ne serai pas une exception, ok? Ça, j'ai flippé, c'est ce que j'essaie de te dire, d'accord? Est-ce que tu as une autre pensée à ce sujet? Autre pensée? Pourquoi dis-tu cela? Regarde, je n'ai pas une autre pensée. Bébé, c'est toi que je veux. C'est toi que mon cœur désire. En effet, l'un de mes oncles a appelé pour me dire qu'il a finalement obtenu certaines des choses que ton père a énumérées pour nous pour le mariage traditionnel. C'est bien. Ouais, ça l'est. Pendant ce temps, mon amie Stella va rester avec nous. Je suis désolée de te dire ça maintenant. Mais tu sais, avec tous les préparatifs du mariage, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ça va aller. Ça va aller. C'est bon. Et comment s'est passée la rencontre avec tes parents? Pas bien. Pas bien du tout. En fait, c'est une histoire pour un autre jour. Je ne suis vraiment pas intéressée par ce sujet aujourd'hui. Non. Je pense qu'on devrait dormir. D'accord. Est-ce que je peux au moins te tenir? Je croyais que tu allais me dire non. D'accord. Bébé, s'il te plaît, est-ce que je peux faire comme ça? Comme ça, on pourra partir. Bébé. Oh, vraiment désolée. Oh.
Bonjour. J'ai cru entendre la voix de Sharon. Pouvez-vous lui dire que je suis prête? Quel genre de jeu? Je suis avec moi. J'essaie de me piéger. Hein? Est-ce que vous savez que je me fiance dans mes amis? Pour ce jeu, pour ce drame? Honnêtement, je veux me piéger. Honnêtement, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, monsieur Phoenix. C'est clair que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je vous ai rencontré hier pour la première fois. Pourquoi me mettez-vous dans l'embarras? Pourquoi vous êtes compris? Me mettre dans l'embarras? Tu fais juste semblant. Est-ce que tu peux me dire que tu te souviens pas de ce qui s'est passé en dehors de moi? C'est ce que tu dis? Que voulez-vous que je dise? Est-ce que tu te souviens de moi? Je ne me souviens pas de vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bébé. Hey, bébé. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Qui ici se souvient? Tu vas bien? Est-ce que tu sais comment c'est déjà la 11e fois que je me perds? Oh, ma chère, je suis vraiment désolée. Regarde, partons juste. Et nous allons aller dans une pharmacie. Es-tu certain que je pourrai arriver à la pharmacie? Bébé. Allons-y. Allons-y, ça va aller. Bien. Voici le troisième test que je fais. Et le résultat reste le même. Ceci n'arrive qu'à moi. Suis-je seul à coucher à droite et à gauche? Dieu, c'est quoi ça? C'est le résultat de tes tests. Pourquoi tu me la remontes? Regarde la date. C'est la date d'aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Oh. T'as fait un autre test. Imaginez tout ce que tu traverses actuellement. Mais tu dois affronter tout ça en tant qu'homme. Il n'y a rien pour affronter ça. En tant que homme béni. C'est Dieu lui-même qui me dit. Je croyais qu'il disait qu'il était miséricordieux. Mais de quoi parles-tu? La nuit où je l'ai dit que j'ai violé, il y a des mois. Oui. S'avère être la demoiselle de Rochef de Charon, sa meilleure amie. Oh. Quoi? Je le savais, tu l'as violé. Et tu l'as violé? Voilà le souci, mec. Je ne savais pas. Jésus-Christ! Je ne savais pas qu'elle s'était amie. Je l'ai découvert hier. Et je ne crois pas qu'elle savait que j'étais fiancé de son ami. Oh Dieu, ça c'est pas bon. Ça c'est très mauvais, Félix. Ça fait quand même beaucoup pour une personne. Tu sais ce qui me rend vraiment fou. Elle se comporte comme si elle ne se souvenait même plus de moi. Qui? La fille, bien sûr. Regarde. Le jour que je l'ai déposée et ramenée chez moi, elle me dit qu'elle s'appelait Cynthia. Mais je l'ai découvert hier quand Sharon l'a amenée à la maison. Qu'elle s'appelle Stella.
Et si elle avait parlé à Sharon et vous ceci? Et si elle avait dit tout ça là, juste pour me punir? Pedro, j'irai en prison. Non, j'irai en prison. Ne dis pas ça, n'y pense pas, ok? Écoute, il n'y a personne qui ira en prison. En y repensant, tu viens de dire que elle ne se souvient pas de toi, pas vrai? Comment est-ce possible pour une fille qui a été violée, oubliée, elle ne comprend pas? Mon Dieu. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que je deviens fou. Maintenant, tu sais ce que je traverse. D'abord, je devrais dire à Sharon que je suis séropositif. Et maintenant, ça... Comment je... Oh mon Dieu, frère, je pense que j'ai réellement besoin d'un verre. Barman. Mon Dieu. Oh mon Dieu, ah, je suis vraiment fatiguée. La circulation d'aujourd'hui, il semble que chaque jour les voitures se multiplient sur l'autoroute. Une journée mouvementée. Eh bien, je suis tellement excitée. J'adore les vêtements que j'ai choisis. Tu vois ce noir cafard? C'est mon préféré. Et donc, vers écran. Bien sûr. Oh, mon bébé de retour. Salut. Arrête ça, s'il te plaît. As-tu encore bu? Non. Arrête ça, Sharon. Tu as bu et tu essaies encore de nier. Regarde, je n'ai pas le temps pour ça. Tu dois créer le temps pour ça. Que veux-tu dire? Je te parle et tu dis que tu n'as pas le temps pour ça. Je ne vais plus tolérer ça de ta part. La prochaine fois que tu fais ça, je vais... Tu vas faire quoi? Quoi, Sharon? Partir? C'est ce que tu veux dire? Quand tu partiras, rien de ce que je fais n'est assez pour toi. J'en place et mon orage que tu hurles sur moi pour mon ami. Pourquoi? Arrête ça. Arrêtez quoi? Hein? Eh bien, tu dois être honnête. Arrête ça. Mon père a dit si, l'église a dit ça, toi, j'ai pas de sens à mon mariage, mais c'est parce que tu dis, tu condamnes, et pourtant tu vis, même péché pour moi, mais toi, Sharon, tu es juste comme moi. Tu es juste comme moi, Sharon. Sharon, comment oses-tu? N'ose pas. N'ose pas. Même pas. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Sharon, s'il te plaît, reviens. Regarde, bébé. Je suis... Ne t'avise même pas de me dire c'est bon. Je suis fatiguée d'entendre désolé à chaque fois. Je t'ai demandé quel était le problème, mais tu n'as rien dit. Tu as refusé de parler. Tu m'as repoussé. J'en ai assez. J'en ai terminé. Tu me condamnes maintenant avec ma foi? Bébé, je suis désolé, ok? Je suis tellement désolé. Je t'aime, mais j'ai juste besoin de temps. Je suis d'accord avec toi. Nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Alors je te donnerai ton espace. Ce n'est pas du tout de ça que je parle, ok? Ce n'est pas du tout de ça que mais je parle. Mais c'est ce dont j'ai besoin. C'est que je veux du temps pour réfléchir. S'il te plaît, Sharon, regarde, notre mariage est tout juste dans 2 semaines. D'accord? Ok, c'est bon. Je sais que j'ai foiré. Je n'aurais pas dû utiliser ces mots sur toi. D'accord, mais en réfléchissant, parfois tu me donnes l'impression que ce que je fais est insuffisant. Genre comme si je ne pouvais te faire plaisir. Je veux dire, ça me rend fou à chaque fois que j'y pense. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rien dit de cette façon. Tu ne peux pas le dire, Sharon. Les actions parlent fort. D'accord? Ça l'est. Je sais que tu me donnes de bonnes intentions pour moi, mais tu vois, cette nouvelle vie, être né de nouveau, vivre confiance, ce n'est vraiment pas facile pour moi. Et tu sais que je fais de mon mieux.
bien. C'est bon. Je veux juste que les préparatifs du mariage se déroulent comme prévu. C'est tout. Bien sûr. Demain, c'est le cours de conseil en mariage. Et c'est tout. Donc, allons juste nous coucher. D'accord. Mais bien, je te fais. C'est bon. S'il te plaît, arrête juste de me dire des autres. Je t'aime. Je t'aimerai quand tu cesseras de t'excuser. Ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins au nom puissant de Jésus. Amen. Mabuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivée chez lui? Tu sais, tu me racontais cette histoire hier, mais tu ne l'as pas terminée. Quel cas? Eh bien, la dernière fois que j'ai voyagé, un homme quelconque l'a ramassé très tard dans la nuit. Vraiment? Mais je ne connais pas encore la suite de l'histoire. Alors, continue. Eh bien, il m'a amené chez lui cette nuit et il m'a bien traité. Oh oui, parle-moi de ça. Et puis il m'a drogué et violé. Elle se souvient. Ensuite, il m'a mise hors de chez lui le matin. Il a fait quoi? Il t'a drogué et violé? Oui. Et il n'avait aucun remords. Comment se fait-il? Chérie, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Non, je veux dire. Oui. C'est horrible. Oh mon Dieu. Les choses sont cruelles, je sais.
jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Dieu le punira. As-tu au moins prévenu la police? Est-ce que tu sais où il habite? Non, je n'ai pas prévenu la police. De plus, c'était tard dans la nuit, tu vois. Et le matin, je n'ai pas pris note de l'environnement. D'ailleurs, tout ce que j'avais en tête était de m'en aller de cet endroit. Je suis vraiment désolée. Certains hommes sont bêtes. Qui que tu sois, où que tu sois, Némésis te rattrapera. À moins que je ne serve un dieu qui n'est pas vivant. Je pense que c'est le cas. Que veux-tu dire? Comment ça? Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas? Mes souvenirs. Avec ta permission, bébé, au cours de l'année dernière, Stella, mon amie, a été testée positive au VIH. Monsieur Félix, vous êtes bien? Tu vas bien? Tu veux de l'eau? Je vais bien. Où va? Où vas-tu? Il va bien. Félix. Bébé, tu vas bien? Je vais bien. Tu es sûr? Nous avons du retard. Tu as l'air horrible. Je sais. Je vais bien. Mais ce n'est pas ça que tu ressembles. C'est quoi le problème? Charles, je viens de dire que je veux bien. Oui. Est-ce que je t'ai dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. C'est exactement ce que tu fais à chaque fois. C'est toujours ce que tu me dis. Mais je sais que tu es en train de changer. Je sais, parce que je te connais. Et ça me blesse énormément. Charles. Ça, tu ne veux plus de moi, c'est ça? Non, bébé. Dis-moi juste. Alors, pourquoi t'es-tu précipité comme ça? Pourquoi es-tu parti comme ça? Bébé, regarde, je suis désolé, d'accord? D'accord, je suis parti parce que, regarde, tout va bien. D'accord, tout va bien. C'est ce que tu dis, mais je ne te crois pas. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je me désire désespérément. Mais je... Quoi? Dis-le. Mais quoi? Je veux rester seul avec toi. S'il te plaît, fais-le pour moi. On est pour prendre notre voiture, ok? S'il te plaît. Il est parti sans moi. Elle sait que ta voiture est défectueuse.
Il a dit qu'on cherche une autre voiture, autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, allez, arrête de pleurer. Non. Il veut me quitter. Je peux le ressentir. Je peux le ressentir. Ne dis pas ça. Ok, tout ira bien. Je ne le crois pas. Je me marie dans quelques jours. Et l'homme que j'aime, mon âme sœur, ma vie, m'exclut progressivement. Je ne peux pas le faire toute seule. Je ne peux vraiment pas. Ok, je vais parler avec lui. Tout ira pour le mieux. Ok? Tu me le promets. Je te le promets. Merci. Merci. Oh, celui qui a fait ça ne verra jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Dieu le punira. Qui que tu sois, où que tu sois, Némésis te rattrapera. À moins que je ne serve un Dieu qui n'est pas vivant. Monsieur, voici les dessins que vous avez demandés. Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Je ne t'ai pas entendu entrer. Que veux-tu? Le dessin que vous avez demandé, monsieur. Ah. Ok, merci, tu peux partir. Monsieur, tout va bien? Monsieur, j'ai constaté votre attitude de ces derniers temps. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Es-tu folle? Non, tu es cinglée. Donc, parce que nous avons eu une aventure, tu crois que tu peux me toucher comme tu veux? Es-tu folle? As-tu tout à coup oublié où est ta place ou quoi? Désolé, monsieur, je voulais juste... Tu voulais quoi? Hein? Quoi? Maintenant, dégage de mon bureau avant que je ne compte ta tête sur ce mur.
Je suis désolé. Fous le compte ici, mon ami. Salon. Tu croyais sérieusement que j'allais oublier le visage de l'homme qui m'a violée? Salut. Bébé, tu vas bien? Ta chérie à la maison? Bébé? Très drôle. Tu as enfin décidé de parler? Regarde, je n'ai pas le temps pour ça. Tu vas écouter ce que j'ai à dire, Félix. D'accord. Que veux-tu dire? Elle a pleuré toute la journée à cause d'un homme qui ne la mérite pas. Un homme qui ne pense qu'à lui. Stella, regarde. La ferme! Je me suis tenue là-bas. Et je t'ai regardée ce matin. Et je me suis dit, voici le diable en forme humaine. Tu n'as aucune idée de comment je me suis sentie quand tu m'as mise hors de cette maison. Ma fierté et ma dignité ont été piétinées par toi. Mais après un temps, j'ai dû laisser tomber. Je t'ai pardonné. Parce que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien moi. De quoi est-ce que tu es en train de parler? J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide de venir avec toi dans cette maison cette nuit-là. Chaque instant, moi, me disait de ne pas le faire, mais je l'ai ignoré. Je le regrette vraiment depuis lors. Mais te revoir depuis tout ce temps a fait ressurgir de vieux souvenirs. Tous les deux savons très bien que je ne te laisserai jamais épouser ma meilleure amie. Pour ce que tu as fait et ce que tu as, la question est, que feras-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Stella. J'ai vraiment foiré. Et cette culpabilité me tue. Voyant à quel point elle est malheureuse, me brise le cœur. Regarde, je sais que j'ai vraiment foiré. Mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé. Je ne peux pas dire que je suis désolée pour toi, parce que tu mérites tout ce qui t'arrive. C'est dommage que l'homme qui m'a violée sois le fiancé de ma meilleure amie. Dis-lui, s'il te plaît, ou je serai obligée de le faire moi-même. Bonjour. Bonjour, mon amour. Depuis combien de temps es-tu en train de me regarder? Je ne m'en souviens pas. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Et je suis fou, amoureux de toi. Je suis fou. Je t'aime énormément, Sharon. Je t'aime aussi, bébé. Tu sais, ce mariage est un pas énorme pour moi. Je veux dire, pour nous deux. Mm-hmm. Et je veux te faire... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
J'ai un rendez-vous pour 7h du matin avec ma styliste. C'est elle qui fera ma robe de mariée. Oh, bébé, quelle heure est-il? Il est presque 7h. Oh non. Elle voyage aujourd'hui et je dois mesurer la robe. Comme ça, elle pourra faire les ajustements. Comment j'ai fait pour dormir autant, oh Dieu. Ok, je dois me lever maintenant. Sharon, nous parlons encore. Bébé, on pourra parler une autre fois. Oh Dieu. Bébé, laisse-moi juste prendre un verre. Sharon, nous sommes en train de parler. Ok, bébé, parle donc. Parle, vas-y, parle, je t'écoute. Tu es vraiment sûr de ça? Oui. Bébé, parle, je t'écoute. D'accord, aucun problème. Nous en reparlerons quand tu seras de retour. Ok, super. J'aimerais te parler. Oui, vas-y, je t'écoute. J'irai voir notre fille pour connaître les plans déjà faits. Parce que le mariage est dans quelques jours. Et en tant que ses parents, nous avons le devoir de jouer notre partition. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Tu vois mon cœur. J'ai pensé à beaucoup de choses ces derniers temps. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas été complètement sincère avec toi et avec notre fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, aussi mauvais que je puisse paraître. Il y a une partie de moi qui ne veut pas qu'elle se marie. Parce que j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de la perdre pour un autre homme. J'ai tellement peur. Elle est ma fille. Je sais. Notre seule fille. C'est tellement dur pour moi de la laisser partir. J'ai aimé Suzanne tellement. Je l'aime tellement. Je n'avais vraiment pas l'intention de la blesser. Non. Mais c'est difficile. Je sais. Je ressens cela moi aussi. J'ai vraiment honte de moi-même. Mon cœur, j'ai honte de moi. Que pendant des années maintenant, j'ai caché mon égoïsme sous le couvert de la Bible. J'ai tellement honte. Que ma seule fille se marie. Et puis. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Peu importe la culpabilité que tu ressens, je ressens la même chose. On a vécu ensemble. Et nous devons nous défaire en la défendant. Défendre notre fille. Nous avons peut-être notre fille comme notre seul enfant. Et je sais qu'à travers elle, tu nous béniras avec nos petits-fils. Alors, mon amour, nous ne perdons pas notre fille. Pas du tout. Mmh.
Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Ah, je suis Félix. 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 S'il te plaît, laisse-le entrer. C'est mon fils. Ton fils? Oui. Excuse-moi. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Tu as grandi, ma... J'ai besoin de te parler. Me parler? Pourquoi maintenant? J'ai fait des efforts pour te voir après l'enterrement de mon père. Mais tu ne m'as pas laissé. Je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est pas ce qui m'amène ici. Mike. Ce n'est pas bon. Mike est mort il y a longtemps. Pourquoi fais-tu ça? Regarde, je crois que j'ai fait une erreur en venant te voir. Tu es juste comme ton défunt père. Non, je ne suis pas du tout comme lui. Qu'en est-il de toi, maman? Non, regarde-toi. Coucher partout avec un jeune garçon assez âgé pour être ton fils, n'as-tu pas honte toi-même? Honte de moi? Et tu te places là pour me juger? Qui es-tu pour me juger? Sais-tu au moins ce que j'ai traversé entre les mains de mon défunt père? Ne parle plus jamais comme ça de mon père. Mon père n'a rien à voir avec tout ça. Tu nous as fait ça, maman. Tu as détruit notre famille. Non, je... Tu as détruit ma vie. Non, je ne l'ai pas fait. Ta défunte mère l'a fait. De quoi parles-tu? Ma défunte mère? Bien. Il est grand temps que tu saches. Je ne suis pas ta mère. Je ne peux pas croire ça. C'est vrai. Ton père a détruit ma vie. L'homme que j'aimais le plus a détruit ma vie. J'ai tout abandonné pour lui. Pour découvrir... Après 10 ans de mariage avec lui, que ton père me trompait. Qu'il avait une autre femme, qu'il a aussi épousée ailleurs. Un soir, il est revenu avec toi. Un enfant de 2 ans. Pour que je prenne soin de toi, quand ta mère est morte. Une courte maladie. Je peux même me rappeler de la façon dont il a dit. Il abusait de moi des fois.
qu'il me traitait de tous les noms d'oiseaux. Il disait que tu étais ma punition pour avoir été stérile. Tout cela a continué et continué pendant que tu grandissais. Et quand je ne pouvais plus supporter sa blonde, je lui ai tenu tête. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à tromper ton père avec des hommes plus jeunes. Et cela l'a rendu complètement fou. Car c'était la seule façon pour moi de le punir pour toutes les horreurs qu'il m'avait fait subir. Toutes ces années, je t'ai clamé pour la mort de mon père. Il est mort parce que son cœur ne supportait plus ce que tu faisais avec les hommes plus jeunes. Je t'ai abandonné pendant 15 ans et je n'ai jamais regardé derrière, même pas une seule fois. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et à cause de ça, j'ai juré qu'aucune autre femme n'utilisera comme tu as utilisé mon père. Je ne l'avais pas utilisé. Je ne le savais pas. Ne me comprends-tu pas? Je ne savais pas que tu n'avais aucune idée du genre de vie que j'ai dû mener toutes ces années à cause de ce que je croyais connaître. Peu importe le genre de vie que j'ai dû vivre, je pense que les choses peuvent toujours s'arrêter. Oh, j'ai peur que ce soit vrai. Comme je le souhaite. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle. J'ai été testé positif VIH. Quoi? Quoi? Oh mon Dieu. Mon mariage c'est dans 3 jours, maman. Elle est tellement belle. Elle est le rêve de chaque homme. Je ne sais même pas comment lui dire que je suis séropositif. Ah, Seigneur, je n'arrive pas à le croire. Ah, désolé, fiston. Je n'ai plus rien qui me reste dans ce monde. Ne dis pas ça. Tu m'as encore moi. Je t'ai abandonné. Je t'ai détesté. Je suis désolé, je suis très bon. C'est bon, désolé. C'est bon. Je suis désolé pour ça. Mets la faute sur moi. Ok. J'ai échoué en tant que mère. Et je n'ai pas été là quand j'ai besoin. Je veux que tu partes. Lui dire la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça va la détruire. Je l'aime énormément. Je ne peux pas la voir souffrir. Ça n'arrivera pas. Écoute-moi, mon cher enfant. Quand tu aimes quelqu'un, il passe en premier. Tu lui dis la vérité. Et tu lui laisses le choix. Tu vas rentrer maintenant et lui dire toute la vérité. Ok? Tu vas traverser cette épreuve. Et je sais que toi et moi, nous allons la surmonter. D'accord, Michael? Mike, c'est le nom que je t'ai donné quand ton père t'a relié à moi. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais je n'ai jamais cessé de te considérer comme mon propre fils. Je t'aime, fiston. Ok? Je t'aime aussi, maman. Ça va. Je suis vraiment désolée. Je voudrais aussi que tu saches que le VIH n'est pas une sentence de mort. Avec le traitement approprié, tu peux le gérer. Ok? C'est pas la fin du monde. Ça va aller. Ça va aller. Je veux partir maintenant. Ok. Je serai de retour. Je t'attendrai. Vas-y doucement, ok? Ah, Seigneur. Entre là-dedans, prends tes effets, sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Thank you.
Bébé, sois le bienvenu. Devine quoi? Quoi? J'ai fait ton plat préféré. Vraiment? Oui, bébé. Bébé, ma robe de mariage est géniale. Et ça me va comme un gant. J'ai vraiment hâte que tu la vois. Et mes amis américains m'ont appelé. Elles ont déjà acheté leur ticket. Tout le monde est prêt. Tu ne peux pas le croire. Ouh. Je me marie avec l'homme de mes rêves. Charlotte, j'ai vraiment besoin de toi. Et viens, viens, laisse-moi te faire cette danse. Et viens, viens. Oh bébé, maman arrive aujourd'hui. Oui, elle m'a appelé pour me dire qu'elle est aujourd'hui. Et papa a transféré 500 000 naira dans... Sharon. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce si bizarre? Quoi? Tu devrais être excitée. C'est notre jour. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? De quoi parles-tu? Tu ne peux pas quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas me marier avec toi. Je suis vraiment désolée. Quoi? Quoi? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Félix! Quoi? Tu ne peux pas quoi? Bébé, quoi que ce soit, nous pouvons arranger les choses, ok? Je te promets que, quoi que ce soit, nous irons bien. C'est ok. Je sais de quoi il s'agit. Tu vois quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu me quittes pour une autre femme, non. C'est ça? Tu m'aimes, alors de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu me dis? Quel est le problème? Je t'aime, tu es ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il nous retient? Si je fais ça, je vais te blesser. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit pendant tout ce temps? C'est à 3 jours avant mon mariage que tu me dis que tu ne peux pas. Que veux-tu dire? Comment oses-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Je suis positif. Tu es quoi? Que veux-tu dire par... Pourquoi? Positif à quoi? Le VIH, je suis sûr. Tu es... Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que tout ceci ne sont que des histoires inventées. S'il te plaît. L'histoire que ton ami t'a racontée sur un homme qui l'a violé. Cet homme, c'était moi. J'imagine que c'est une punition pour le genre de vie que j'ai mené. Non. Non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui arrive au résultat du test que tu as remis au conseil? C'était un faux. C'était un faux. Je l'ai falsifié. Je le sais depuis un certain temps maintenant. Mais je n'ai jamais connu la peine de plus l'or. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est la nombreuse vérité jusqu'ici que j'ai pu te cacher. Mais je dois tout faire pour essayer de vivre ma vie sur moi. S'il te plaît, stop. Je ne peux pas savoir combien c'est vrai. Arrête. Je ne mérite même pas. Je t'en supplie. Arrête de parler. Je dois te laisser, je dois partir. S'il te plaît, arrête de parler. Tu m'as promis. Tu m'as promis pour toujours. Tu as dit que nous allons passer le reste de nos vies ensemble. Et je suis en train de briser cette promesse. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Mais je ne peux pas te laisser faire ça. Je m'en fous. Je m'en fous du VIH ou quoi que ce soit. C'est toi que je veux, Félix. Je t'aime. Je ne veux pas. Je t'aime énormément. Je
Regarde, il y a une prochaine vie. Tu resteras toujours ma petite chérie. Mais tu dois partir, tu ne peux pas. Va chez tes parents. Tu ne comprends pas. S'il te plaît, vas-y. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne le comprends-tu pas? S'il te plaît, va vivre chez tes parents. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Va rester chez tes parents. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Tard, s'il te plaît. Tu as fini. Assieds-toi, s'il te plaît. Il faut que tu manges quelque chose. Ce n'est pas bien de sortir de la maison le ventre vide. C'est bien. Susan ne me dit pas que tu fais encore ça. Maman, faire quoi? De quoi parles-tu? La manière dont tu tournes en rond, dont tu fixes les nuages, c'est effrayant. Je le dis juste. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien. Tu es sûre? Maman, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai mal. Je sais, je sais. Il me manque tellement. Je sais. Tu es l'isolement. Je l'aime tellement, mon Dieu. Je ne peux pas vivre bien. Je sais ce que tu ressens. Je ne peux pas vivre sans lui. Je sais. Il y a des gens qui ont dit rien. Avec lui, je sais. Je sais. Je sais.
Je sais. Je sais. Tu iras bien. Tu iras bien. Tu le crois, maman. Je sais, tu iras bien, Issoussa. Demain, c'est ton anniversaire. Quel plan as-tu pour ce jour? Plan? Oui. Allez. Parce que ton père envisage organiser une fête d'anniversaire juste pour te détendre. Fête de quoi? Maman, je ne veux pas qu'on me remonte le moral. Vous devez juste arrêter ça. Arrêtez. C'était censé être une surprise. Oh. Mais tu sais, je ne sais pas tenir ma langue. Et sous ça, tu iras bien. Vraiment, maman. Je ne peux pas. Tu dois aller. Je ne veux pas aller de l'avant sans Félix. Maman, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le voir. Je suis tellement misérable. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décroche pas mes appels. J'ai même essayé de le voir. Il ne veut pas que cela arrive. Que vais-je faire? Je suis misérable, maman. Je suis vraiment misérable. Tu es de mes ancêtres. Que vais-je faire? Regarde. Ouf, tu es si belle. Ah, oh, viens là. Bonsoir, monsieur. Oui, ma chère, sois la bienvenue. Hey, la reine de la soirée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Allez, c'est ton anniversaire, ok? Détends-toi, ok? Joyeux anniversaire. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mon cher. Je vais très bien. Prends place. Allez. Ok. Bonsoir. Ah. Salut. La reine du jour. Oui. Joyeux anniversaire, ma chère. Merci. Soyez les bienvenus. Que j'aimerais te poser. Mais s'il te plaît, ne me mens pas. Ne me mens pas. Pourquoi as-tu rompu avec ma fille? Avec tout le respect que je dois, monsieur. Ça appartient maintenant à mon passé. Ce n'est pas au passé pour moi. Parce qu'elle est mon unique fille. Mon unique enfant. Elle est tout ce que j'ai. Et donc, s'il te plaît, je veux que tu saches que je me sentirai mal avec n'importe quelle réponse que tu me donneras. Pourquoi tu es rompu avec ma fille? Je l'ai quittée quand j'ai découvert que j'ai été testé. Positif au VIH. Quand le conseil conjugal a demandé les résultats de mon test, j'ai falsifié le mien et je ne peux pas juste le faire. Mon cœur ne l'a pas permis. C'est pour cela que je l'ai quitté. As-tu dit que tu es séropositif? Oui, monsieur. Nous n'avons pas couché ensemble, même si je le voulais, elle ne me laissait pas faire.
pas, monsieur. Ok. Ça veut dire que la seule raison pour laquelle tu rompu avec elle, c'est parce que tu es séropositif. Oui, monsieur. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens du tout. Ouais, ça ne l'est pas. Parce que beaucoup de gens vivent avec ça. Là, d'ailleurs. Oui. Eh bien, jeune homme, je vais te demander ça pour une dernière fois. Pourquoi as-tu rompu avec ma fille? Je l'aime. Tu t'es lassé d'elle. Tu voulais un changement. Ou est-ce qu'il y a une autre fille? Non, monsieur, je ne peux jamais me lasser de Sousa. Je l'aime énormément. Ou tu voulais jouer un jeu avec elle, hein? Non. Non, je... Non, monsieur. Ou mieux encore. Tu ne l'aimais pas. Non, monsieur, je l'aime. Je t'avais juste pitié d'elle, hein? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. S'il vous plaît. Je l'aime tellement. Vas-y, appelle-le. Admets-le. Admets que tu n'es qu'un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je ne le suis pas. Je l'aime. Je l'aime tellement. Je suis fatigué. Je suis tellement, tellement fatigué. Tout est de ma faute. Je ne suis pas un homme bon. Ce que j'ai fait est la raison pour laquelle il souffre. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis tellement désolé. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie. Je suis désolé. Ma culpabilité est trop grande pour moi. Ça me tue. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. 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 Je supporte. C'est bon. Je ne peux pas te juger ou te condamner. Ce n'est pas à moi de le faire. La seule façon de te libérer est de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt à faire cela? Oui, monsieur. Assieds-toi. Lève-toi. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du calvaire. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du calvaire. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que ton sang a lavé mes péchés. Et je crois que ton sang a lavé tous mes péchés. Et je suis né de nouveau. Et je suis né de nouveau. Je suis libre au nom puissant de Jésus. Et je suis libre par le sang de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, parlant de ton mariage avec ma fille, je crois qu'il est temps que je vous apprenne à planifier le mariage. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Oh, c'est que tu ne veux plus épouser ma fille. Je le veux, je le veux. Ok, ok, bien. J'ai alors un plan. Mais plus important encore, à propos de ton statut, je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse faire. Les miracles se produisent encore. Il y a les hommes et les femmes qui vivent là-dedans avec le VIH. Et ils mènent une vie normale. Ils sont mariés et ils ont des enfants. Donc ne laisse pas ton statut te déranger. Ne laisse pas ton statut t'abattre. Ne
te sens pas du tout stigmatisé. Laisse plutôt ton statut être ta source de force. Que Dieu soit avec toi. Voilà le cadeau que j'ai pour toi. Tu peux t'asseoir avec moi. Oh, ça c'est super. Eh bien, je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter tous la bienvenue à la fête et la fête de fiançailles de ma charmante fille, comme cela s'est avéré. Et ma fille est sur ça ici, mon unique fille, mon unique enfant et tout. Elle est tout ce que nous avons. Et je ferai n'importe quoi pour elle. Tout ce qui la rendra heureuse. Tout sur cette terre pour la rendre heureuse. Donc aujourd'hui c'est ton jour et c'est ça. À tes amis, je dirais qu'il y a beaucoup à boire et beaucoup à manger. Mais j'imagine qu'on doit commencer par couper le gâteau. La reine du jour. La reine du jour. S'il vous plaît, joyeux-moi.